Nangs Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nangs Reborn. C'est une joie pour moi de vous revoir. J'ai regardé, j'ai observé beaucoup de choses et j'ai une question pour vous. Dites-moi, les frères et sœurs, quelle est la meilleure couleur de la peau? Est-ce que c'est le rouge? Est-ce que c'est le jaune? Est-ce que c'est la couleur blanche? Ou le noir? Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De plus en plus de personnes se font des choses bizarres. Ces gens vont se dépigmenter. Ces gens vont vraiment changer la couleur de leur peau comme si ce sont eux-mêmes qui l'ont créé. La fille était noire. 2 semaines plus tard, elle devient orange. Si elle a donné orange, vous dites merci. Sinon, elle a donné violet. Peut-être même si elle a donné violet, tu vas même encore voir. Je dis, elle va donner orange, blanc, vert. Parce qu'elle ne sait même plus où elle est. Elle est dans la confusion. Parce qu'elle a vu les gens à la télévision qui lui ont dit que la couleur de la peau idéale, c'est la couleur blanche, mais la couleur claire. Donc, elle s'est dit que elle va tout mettre en œuvre pour détruire tout ce qui est noir sur elle. Tout ce qui est noir sur son corps est en danger. Ou tous les autres. Wow! Jesus Christ! Cela va utiliser tout ça de produits. Des produits cosmétiques. Parce qu'elle, elle ne veut plus être noire. Elle ne veut plus être cotée parmi les gens qui ont la couleur de la peau noire. Quoi. Et moi, quand je regarde ça, ça me fait vraiment. Ça me donne de la peine. Ça m'inquiète beaucoup. C'est pourquoi je viens aujourd'hui pour vous poser cette question. Quelle est la couleur de la peau qui vous plaît beaucoup? Est-ce que c'est la couleur blanche? Ou est-ce que c'est le rouge? Vraiment, la société dans laquelle nous sommes nous pousse à faire certaines choses qui ne sont pas forcément la gloire de Dieu. Selon vous, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne naisse noire, ou bien claire, ou bien blanche? C'est bien évidemment à cause de leurs parents. Si papa allait prendre une femme claire alors que lui est noir, l'enfant qui va sortir sera bronzé. Il aura un peu ma peau. Maintenant, est-ce que l'enfant là, il doit renier son père parce que son père est noir? Ah! Quand tu changes la couleur de ta peau, c'est comme si tu reniais d'abord ton père. C'est comme si tu lui disais que tu es trop noir, pourquoi tu es noir? Pourquoi? Ou bien tu disais à ta maman, pourquoi tu allais prendre un homme qui a une peau noire? Avant d'aller toucher Dieu. Pour dire à Dieu, pourquoi est-ce qu'il a créé la peau noire? Pourquoi il ne t'a pas rendu clair? Ou bien blanche? Wow! Cette histoire va loin! Ça va très loin. Au point où des gens même préfèrent même supprimer toutes les anciennes photos qui les présentaient avec la peau noire. Parce qu'elles ont décidé de devenir ce qu'elles veulent. À cause de ce qu'elles ont vu à la télévision. À cause de ce qu'elles ont entendu. On vous dit que la couleur idéale, c'est la couleur claire ou bien la couleur blanche. Même souvent quand tu vas postuler, tu vas faire un casting, on te dit comme tu es une fille noire, tu ne peux pas faire le casting, on ne peut pas t'accepter. Et c'est devenu un peu la norme un peu partout, nous ne comprenons plus rien. Ça fait que nos jeunes soeurs, elles vont se tchatcho d'une manière, donc en fait c'est dépigmenté. À enlever carrément tout ce qui est noir. Pour faire quoi? Pour paraître. Pour faire quoi? Pour paraître. C'est juste à cause des regards des gens. C'est juste à cause de ce que les gens disent. Si les gens disaient que la couleur de la peau noire c'est extraordinaire et que c'est à la mode, quel est le problème de dépigmentation ici? Qui? Vraiment.
les humains Yako. Yako a tous les humains. Les gens sont complexés. Les gens ont du mal à sortir de la maison parce qu'ils sont noirs. Parce qu'ils ont la couleur noire. Ah! Le gars, il veut être artiste. Il a appris que quand on est artiste et qu'on est clair ou bien on a la couleur vraiment qui veut le blanc, la couleur blanche. Là, quand on a cette couleur-là, on a des opportunités. Donc, lui aussi, il va aller se tchatchou, il va aller se pomader, se dépigmenter pour ressembler à Michael Jackson. Ou tu es Michael Jackson Junior. Bon, lui, il est déjà parti, mais là, il est vivant. À quoi tu joues? Mais moi, j'ai une question, une dernière question à vous poser. Est-ce qu'une femme qui est claire peut-elle prendre une pommade pour devenir noire? Est-ce que c'est possible qu'une femme qui est claire prenne une pommade pour devenir noire? Ou bien est-ce que c'est possible qu'une femme blanche décide de prendre une pommade pour que sa peau, toute sa peau devienne noire, comme un vrai noir? C'est vraiment, je suis bronzé. Je ne peux pas prendre mon exemple parce que je suis bronzé. Mais un vrai noir comme un Sénégalais, comme qui encore, peut-être un Malien, ou en tout cas, vous connaissez. Est-ce que c'est possible? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Parce que c'est pas possible. Ce qui veut dire que la couleur noire de la peau que Dieu a donné à certaines personnes là, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous devez grave respecter votre couleur. Vous devez grave respecter la couleur noire, pour, surtout la couleur noire. Moi, souvent, quand je vous regarde, je vous dis, je vous envie. Et donc, voici les gens, ils sont en train de se dépigmenter sans savoir que la vraie couleur, la couleur même, vraiment, quand on regarde à gauche et à droite, la couleur qui est censée être la plus, qui devait être la plus richesse, c'est la couleur de la peau noire. Mais si Dieu t'a donné ta couleur blanche, t'es né comme ça, garde ta couleur, c'est Dieu qui a choisi pour toi. Faut pas dire, ah non, non, comme ça, non, faut pas te sentir gêné. Si tu es né, t'es pas, t'es né bronzé comme moi, accepte ce que Dieu t'a donné, prends pour toi, et puis va, continue ton chemin. Ah! Mais quand je regarde, je vois que et les gens font tout pour se dépigmenter. Mais personne n'a réussi à passer de la couleur blanche à la couleur noire. Changer sa couleur de la peau de la couleur blanche à la couleur noire. C'est que par cette couleur noire, on peut passer à la couleur blanche. Bronzé ou bien clair, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas revenir au niveau où on est noir. Si c'est pas possible, c'est que cette couleur noire là est unique. Est unique. C'est vraiment les gens qui ont la couleur noire. Vraiment, ce sont des gens. Ils sont hors du commun. Moi, je les envie. Hein. Et vraiment, je les envie. C'est hier, je me suis posé la question. Je dis, mais ah, les gens sont en train de se dépigmenter. Il passe de la couleur noire à la couleur blanche ou bien claire. Mais qui est déjà passé de la couleur blanche à la couleur noire? Je ne vois pas. C'est là qu'il dit que la couleur noire que Dieu a créée là, c'est pas pour rien. S'il y a des gens noirs sur la terre, c'est pas pour rien. Honnêtement. Je pense que Dieu a tout fait pour un but. C'est Dieu qui a créé la nature, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous a créé. Nous devons quand même respecter ses œuvres. Nous devons respecter ses œuvres. Récemment, j'ai vu une fille noire. Quand je l'ai vue, j'ai oublié tout ce que les gens sont racontés sur les gens clairs, les gens comme ceci. La fille, aïe, aïe, aïe. J'ai jamais vu une femme aussi belle. Quelle femme est noire et qu'elle est belle? Il n'y a rien à dire. J'étais choqué.
une telle beauté africaine. Je me suis dit, voici une fille qui a compris. Voici une fille qui a compris. Elle a compris que il faut vraiment s'assumer. Il faut accepter ce que Dieu vous a donné. Nul n'est parfait sur la terre. Tout le monde a des défauts. À tous les niveaux, tout le monde, nul n'est parfait. Mais ce que Dieu vous a donné là, c'est ce qu'il vous faut pour la suite des événements. Ma soeur, ne cherche pas à devenir claire ou bien blanche. Ma soeur, ne cherche pas à devenir claire. Ne cherche pas à devenir comme tu es en train de devenir. Surtout dans certains pays africains, les gens qui ont dans l'industrie de la musique ne font que se dépigmenter seulement. Ah. Mes frères, je vous aime tel que vous êtes. Avec la couleur de ma peau, moi je vous envie. Si tu es un gars qui est né et Dieu t'a fait la grâce d'avoir la peau noire, franchement, mets-toi à genoux et puis bénis Dieu. Mets-toi à genoux et puis bénis Dieu même. Parce que ça, personne ne pourra te l'arracher. Tous ceux qui désireront devenir noir comme toi, ils ne pourront pas. Parce qu'il n'y a pas de pommade dans ça. Tu es unique. Tu es l'original. C'est pas que nous sommes montés de rabaisser ceux qui sont clairs. J'ai dit si tu es un cas qui est né, qui est clair, naturellement, sans pommade, Dieu t'a donné, prends pour toi et va. Si tu es un gars qui est né, qui est blanc, ou bien tu es né, tu es rouge, c'est ta couleur originale, Dieu t'a donné, prends pour toi aussi et va. Mais j'essaie de parler des gens qui ont la couleur de la peau noire, qui se sont gênés, qui veulent tout le temps, qui cherchent à se dépigmenter, pour devenir passer de la couleur noire à la couleur claire ou bien blanche. Honnêtement, je ne vous conseille pas dans ça. Il y a trop de maladies dans ça. Et puis ces maladies-là ne sont pas là pour rien. C'est pour vous montrer que c'est pas bon. Pas bon du tout. C'est pas bon. Regarde la couleur de ta peau. Vous voyez les filles là. Elles ont tellement honte de la couleur de leur peau. Elles sont dans les laboratoires en train de se mettre des fonds de teint. Elles se mettent des millions de peintures sur le visage juste pour paraître bronzée ou bien claire ou blanche. Ah! Dis à ta soeur à côté, ça ne vaut pas la peine. Dis à ton frère qui est à côté, ça ne vaut pas la peine. Garde la couleur de ta peau, fonce dans ta vie. Il y a beaucoup de choses à faire sur la terre. Ne perds pas de temps et n'écoute pas les gens qui te racontent de n'importe quoi. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde vraiment mauvais. Les gens sont là pour encourager les personnes vers les mauvaises choses. Mais quand vous serez face à vos problèmes, vous vous laissez tomber. Soyez tel que Dieu vous a donné, tel que Dieu vous a créé. Et vivez votre vie tranquillement. Que Dieu vous donne la joie aujourd'hui. Voici ce que j'avais envie de vous dire avant de commencer la vidéo que vous venez. Restez connectés. Wow, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urbaine et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs. Prenez soin de vous. Names Reborn.